مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. الحقيقة سعيدة برشا اليوم أني نلتقي قامة من قامات الفن السابع في العالم. أكيد هي الأكثر الإيطاليات تونسية، سي لا بلو تونيزيان دي إيطاليان. فرحانة برشا أنه كيف التوانسة الكل اللي استقبلوا كلوديا كاردينال التونسية اللي رجعت لهم بعد محبة كبيرة لحلق الواد، نهج باسم كلوديا كاردينال، والحقيقة جدار كبيرة فيها أجمل صور كلوديا كاردينال. كلوديا كاردينال اللي تولدت نهار 15 أبريل 1938 بتونس العاصمة بنهج مارسيليا، ثم عاشت بعد ذلك في حلق الواد. أجمل الذكريات باش نحاولوا نرجعوا إلى محطات مقتضبة. عسامة كلوديا، شنو حوالك؟ كيفنك؟ كيفنك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. اون رو او نون دو كلوديا كاردينال. وي سي سكو ما دي سا جيتي. Vraiment très surprise de tout ça. C'est très beau. Ouais. La Tunisie, c'est quel souvenir? Oh ben moi, je suis née là. Mon papa était ingénieur technique à la compagnie des trains, ici. Et moi, je faisais des choses terribles. Je montais sur le train quand il partait, jamais quand il était arrêté. Plus de souvenirs en Tunisie? Oui, oui. Claudia, le cinéma, ce grand parcours. Ah ben, j'ai fait 184 films. Ah ben, il y en a plusieurs, oui. La fille à la valise, oui, c'était avec Jacques Perrin. Je ne sais pas si c'est 184, mais beaucoup. Elle a commencé en Tunisie avec des très jolis films. D'ailleurs, un film très peu connu qui avait été restauré à l'occasion de la Cinémathèque, de l'ouverture de la Cinémathèque ici, quand il y a 3 ans, maman était venue inaugurer la Cinémathèque de Tunis. Et ce film avait été restauré et ça s'appelle Chaîne d'or. C'est un film sur les femmes de Madia. C'est un film qu'elle a fait, un des premiers, où elle faisait juste une apparition. Et c'est un film, un court film, un court métrage très très poétique sur le fait que les femmes, elles sauvent le village d'une pénurie. Oui, absolument, c'était une très belle chose. Et je pense à ce film parce que c'est vraiment le tout premier. Et quand elle apparaît dans le film, normalement elle devait être voilée. Et le destin, le mektoub, a fait que le vent s'est levé et le voile s'est levé. Et on a vu son visage dans le film. Elle a eu beaucoup de chance, maman, parce qu'elle a toujours, c'est quelqu'un de très simple, qui est resté très humble et très simple. Elle a beaucoup eu de chance, elle a toujours travaillé avec les gens dans une sorte d'harmonie. C'est quelqu'un qui s'entend bien avec les gens. Et puis, je vous dis, c'est le mektoub, elle a eu un destin, elle a eu des belles rencontres, elle a eu très très peu de mauvaises histoires ou de mauvaises rencontres. Ouais, elle a eu de la chance. Ouais. Un film, une personnalité, un moment qui est là. Il était une fois dans l'Ouest. Oui, avec la belle musique, ouais, l'harmonica de Ennio Morricone, c'est vraiment aussi fabuleux. Oui, oui. C'est mythique, ce film. Oui, il était une fois dans l'Ouest aujourd'hui. Thank you.
de revenir à Tunis, d'être aussi bien dorloté, bien gâté par les Tunisiens, bien aimé. Pour moi, c'est formidable. Parce que vraiment, moi, j'adore la Tunisie. Et c'est extraordinaire. Et les gens, ils sont très, très, très gentils. J'adore les Tunisiens. Ils sont très très gentils avec moi.